Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un inédit en Blu-ray. Je crois que c'est la première fois que ça sort en Blu-ray. Donc là, ça nous arrive en édition collector Blu-ray de la part de l'atelier d'images, qui m'a envoyé cette édition pour pouvoir vous la présenter. Donc c'est un film de Walter Hill avec un gros casting. On a Bill Paxton, Ice-T, William Sadler et Ice Cube. Un film que j'ai dû voir il y a très longtemps, c'est sorti je crois au début des années 90, en 91 ou 12, je sais plus. Mais j'en ai très peu de souvenirs parce que ça passe nulle part de toute façon, il n'y avait pas de Blu-ray, donc voilà, pour le voir c'était un peu compliqué. Bien content de le voir arriver en Blu-ray, comme ça je vais pouvoir le redécouvrir, et je sais que pas mal de monde l'attendait ce film, surtout voilà, au vu du réalisateur Walter Hill, qui avait fait notamment Les 48 heures avec Eddie Murphy, il avait fait aussi Driver il me semble, et puis Sans Retour. Donc voilà, donc un bon réalisateur en tout cas de la période 80-90. Alors ce qui est bien déjà, c'est qu'ils ont mis un amarré noir. Alors c'est noir transparent, un boîtier plutôt noir transparent, donc ça c'est plutôt pas mal. Le visuel à l'avant est plutôt chouette. Alors est-ce qu'on aura une jaquette réversible comme sur Slippers? On verra. On va voir ça juste après. Sur la tranche, vous avez le petit logo Universal Blu-ray et l'atelier d'image en haut avec le titre du film. Et on a une petite photo de Bill Paxton ici en haut. Alors, au niveau présentation, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0. C'est des sous-titres français. Il y a des sous-titres français. Le format d'image, c'est du 1.85. Pas mal de suppléments inédits. Or et illusion, entretien avec l'acteur William Sadler. Les grands perdants, donc entretien avec le co-scénariste Bob Gale de 13 minutes. Entrée interdite, entretien avec le producteur Neil Canton. Donc là, c'est en 13 minutes. Et en tout cas, les suppléments sont en HD aussi, hein, en format HD. Les coulisses du tournage d'époque, 4 minutes. Donc là, c'est du SD, du format DVD, si vous préférez. Scène coupée, 4 minutes. Et bande-annonce. Voilà, donc il y a pas mal de bonus. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc dites-moi ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. Et je déballe l'édition. Voilà, c'est déballé. Alors, à l'intérieur, on a un disque Blu-ray uniquement, donc qui reprend la sérigraphie qu'on a sur la jaquette. Et par contre, je ne crois pas qu'il y ait de jaquette réversible. Non, il n'y a pas de jaquette réversible pour cette édition. Voilà, donc là, on a uniquement ce visuel-là, mais qui en soi est très bien. Hein. Enfin, voilà, après de mettre les jaquettes réversibles, moi j'aime bien. Hein. Mais ça vaut vraiment le coup quand il y a un gain particulier à avoir un choix de visuel. Celui-ci me va tout à fait. Après, il y a ce petit bandeau édition collector, peut-être, qui aurait pu ne pas apparaître. Mais bon, ça permet de signaler aussi que c'est une nouvelle édition. Voilà, donc ça permet de distinguer un peu parmi toutes les sorties. Donc voilà pour la présentation de ce Blu-ray des Pilleurs. Les Pilleurs, hein, avec Bill Paxton, Ice-T, William Sadler et Ice Cube. Donc édition bien sympa, avec pas mal de bonus. Donc hâte de revoir ce film. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que vous l'avez acheté de votre côté? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.